Buongiorno, benvenuti a Sicuro Tango Training. Usevo canapé, fait un petit peu de place, che on commence de suite par le chauffement. Respiration profonde. Engrandis le corps. Relâche les épaules. On lâche les bras. Et on y va à la musique. Et on peut le faire, on tourne sur la droite. Également les mains à l'auteur des épaules. On met la colonne vertébrale en position droite, les jambes étirées, les pointes posées par terre. Et donc, avant de le faire en rythme, je vais vous l'expliquer. On inspire, on creuse, on expulse l'air. Et on creuse dans l'autre sens. Encore une fois. Je souffle, je vais aller mon dos comme les chats. Continuons à faire l'assiette. Alors, par contre, là, on va faire une modification. On va ajouter le bras et la main contraire. Et on va, au lieu de creuser les dos, on va le laisser en position droite. Ça va nous faire ça. Regardez. Uno, je tire la jambe opposée. Deux, je regarde face à moi. 3, je reviens ici, 4, je reviens à la position de base, 5, 6, je creuse, 7, 8, je reviens, et là je reviens, 1, avec l'autre jambe, je tire, je touche le sol, 2, je regarde loin, 3, je pose la main et la jambe, et 4, je ramène, 5, 6, là je rentre bien le nombril, j'active mes abdos, 7 y 8, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va? On se prepara. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo dejamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tiro, levanto, vuelvo, paralelo y 1, 2, 3, 4, 1,
coche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les deux derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respire. Je me repose. Je tiens bien mon dos. On va se coucher en déroulant sur le dos. D'abord, on va placer les jambes en 90 degrés. Bien, ils ne sont pas timides. J'aimerais rien que tu puisses voir ici. Avant d'activer les abdominaux, on va placer les genoux au niveau du centre, comme ça on ne force pas. Et on va juste mettre les jambes alignées dans une légère diagonale pour pouvoir observer la position de notre fioriture. On va mettre les pieds ensemble et on va faire ce travail. Regardez, uno, tout en gardant les genoux ensemble, on va regarder le chemin qui peut effectuer les jambes sans décoller. C'est-à-dire, je tourne les jambes tout en gardant les genoux collés. Et je vois la mobilité de mon geste, voyez? Bien. Une fois que j'ai ça, cette mobilité du geste, je respecte le fait de garder les genoux en contact, même si elles vont à peine se déplacer. Une fois que j'ai gardé cette sensation des genoux qui sont toujours collés, même s'ils se déplacent un petit peu, je mets mes deux pieds en pointe et là je vais faire une petite fioriture. Je vais voir que quand je m'approche de l'autre pied, je retrouve un obstacle entre la tibia et les mollets. Ça c'est normal. Je ne vais pas au-delà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, ça va être notre travail de fioriture. Mais bien sûr, là, on est en feignant. C'est-à-dire que pour travailler les abdominaux, on va faire deux gestes. Le premier, ça va être inspirer. Et quand on souffle, on lève la tête et on se tient au niveau du cou. Et au niveau des genoux, on va les avancer légèrement pour qu'elles restent en diagonale. Et maintenant qu'on est prête, bien sûr, avec la musique, avec le rythme de la musique, on va le faire. Donc, on se repositionne. Inspire. Et on y va vers l'avant. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une fois, 1, 2, 3, 4. Encore les filles et les garçons, on s'applique. Encore. Si no tremo, o trabajo para los abdos. Y la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On étire les deux jambes et on descend. Là, on fait respirer un petit peu. Bien les amis, et maintenant on va voir les différents pas pour la chorégraphie. On va commencer par un pas latéral dans lequel à la fin du geste on va faire une dissociation et une posture de tango. On voit qu'aussi on va étirer la jambe qui est derrière en pointe avec un tout petit peu de pas de poids du corps. On y va de l'autre côté,
On peut aussi, si ça vous gêne, rester avec la même position. C'est-à-dire 1. Dissociation posture. 2. Dissociation posture. Donnez bien la tenue. Côté. Derrière. Côté. Bien ça. Ensuite, nous allons travailler notre tête-pied double. On va faire 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire diagonale. Côté. Diagonal, côté au niveau de direction. Je pousse le sol. 1. La jambe de base, c'est ma jambe de terre. Elle ne va pas se lever, elle ne va pas bouger, elle va rester là. Donc, ça va faire. Je pousse le sol, je pousse latéral, je pousse derrière et je reviens. Encore. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1 et là, je croise. J'enveloppe derrière, posé. Attention, maintenant, sans changer le poids du corps, je commence avec la jambe, la dernière jambe que je viens de poser. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 1, et plus, revient, et reste sur le dernier appui. 1, et 2, et 3, et 4, et devant, croisé. Là, c'est bien important de que. On marque un cercle qui enveloppe derrière et on ne change pas de poids. 1, 2, 3, 4, devant, on enveloppe, 3, 4. Aussi, regardez que quand on fait ce trapié double, bien sûr que tout ce que je vous explique, c'est après des éléments, ce sont des éléments que vous allez appliquer en dansant à deux. 1, et 2, et 3. Ici, il y a une dissociation. C'est la même qu'on utilise quand on marche dans la rue. Donc, dissociation, parallèle, dissociation, parallèle, dissociation, enveloppe, derrière, retiene, dissociation, parallèle, dissociation, parallèle, transfert complet, enveloppe, derrière, posé. Bien, ça c'est notre deuxième pas. Ensuite, nous avons notre tour. Le tour, c'est le mouvement pour lequel on a travaillé tant le twist au début du cours. Il s'agit d'un petit 8 vers l'avant, un pas vers l'avant, auquel on va ajouter une torsion. 1, et 2, et derrière, 1, pivot, posé, devant torsion, et devant torsion, pivot, posé, derrière avec la gauche, torsion, à droite. Iou, donc c'est le bassin. Donc ici on va faire tour à tour. 1, 2, 3. Et ensuite croiser, 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 croiser. Et encore 1, 2, 3 et les croiser de l'autre côté. 1, 2, 3. Bien le travail, hein? On a encore d'autres éléments. Une fois qu'on a fait ces mouvements-là, on va ajouter une corrida. La corrida, on va le faire dans le sens contraire au sens du bas, c'est-à-dire à ma gauche, vers ma gauche. Et je vais faire 8 vers l'avant, dissociation, un pas, 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 un pas, 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 un pas, 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 un pas, 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 un pa pa pa, 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 un. C'est très important de que là, donc ta ta ta, un pa pa pa, un pa pa pa, on passe d'abord coup de poitrine, c'est à dire dissociation qui m'amène sur le latéral, un pa pa pa, et ensuite à nouveau. Pour avoir cette lame, on va essayer de le faire petit, mais quand même avec beaucoup d'énergie. On va utiliser toujours les jambes d'appui qui impulsent les jambes libres. Ça, c'est aussi applicable dans le corps. Donc, you, papa, au you, au, en bas, au, au, au. Est-ce qu'il me manque quelque chose? On va faire un petit rodeo, des petits pas de marche. Et à la fin, une petite pause. Et chacun choisit la pause qui lui convient et qui vous exprime.
Calle larga, los más rockeros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal, y los cuarteles de la recoba son el mulato sentimental. Baila mulata linda, bajo la luna llena, al chiquichi del chileco, canta el negro del tambor. Baila mulata linda, de la divisa roja, están mirando los ojos de nuestro restaurador. Mirando los ojos de nuestro restaurador. Et je vais vous demander de mettre votre attention dans chacune des sensations corporelles que vous avez lors de cet exercice. On va inspirer profondément aussi à chaque fois. Et on va centrer notre attention à l'intérieur de nous. Vivre chaque mouvement pour le sentir et pour sentir la vie qui nous habite de la terre. Donc, on commence à inspirer profondément. On ouvre la poitrine, le cage thoracique, les épaules étendues, les bras étendus. On expulse l'air et on se détend encore une fois l'inspiration. Je remonte la tête doucement. Et là, je vais chercher la position couchée. Donc, je place d'abord mes mains, les fesses. Je déroule le dos au niveau de la tête. Et je monte délicatement ma jambe droite. Je la prends vers moi. Inspiration. Je prends conscience que les deux jambes sont en pointe. Je ramène la jambe vers moi. Je vais la prendre uniquement avec la jambe, le bras gauche. Je tire la main droite, parallèle à mon épaule. Et je vais faire inspiration. Et au moment de la torsion, je vais partir avec la jambe à gauche. Et je regarde à droite. De la même façon que dans notre exercice, on inspire. Quand on expulse l'air, on rentre le périnée, le ventre. Et cette détente fait qu'à chaque fois, je peux aller en tour de main. Encore une fois. Thank you.
Je monte la tête et là je cherche avec mes jambes à les saisir, regardez. Et vous m'amenez le tronc. Je pose le pied au sol, inspiration, je creuse le dos. Je ferme les yeux. Je concentre mon attention sur l'air qui rentre et qui sort de mon corps. On ouvre les yeux délicatement. Merci beaucoup. À la prochaine.